T'as goûté la nouvelle Bado? J'adore son petit goût pétillant. La forme ronde à la bouteille et cette belle couleur verte. Et toi? Ah non, je n'aime pas du tout. Et moi, je bois très souvent de la spi. Je la trouve plus douce et légèrement sucrée. Oh, la spi, elle est imbuvable pour moi. Je la trouve trop fade. Moi, j'aime la bras et les vents. Plus riche en magnésium, me rend plus en forme en période d'examen. Ah non, je n'aime pas du tout. Et puis, le design de la bouteille est beaucoup trop sympa, c'est fun. Oh, et tiens, et la Liechtenstein du Luxembourg? Regarde son format, 33 centilitres. On doit boire 1 litre et demi d'eau par jour. Et tiens, dans cette cara, on retrouve l'eau de qui? Ben, l'eau du robinet. En tout cas, moi, j'adore son goût et sa disponibilité. Et ben, enfin, nous sommes d'accord sur une eau en commun. Nous aimons toutes les deux l'eau du robinet. Au secours! Pour améliorer la qualité de nos eaux de rejet, on va créer nos propres produits écologiques pour faire la vaisselle. Fabriquer un produit de vaisselle écologique est une bonne idée ici à l'école, car nous pouvons ainsi laver la vaisselle du labo. Voici comment faire. La première étape, ce sera prendre une cuillère à soupe de cristaux de soude, puis prendre aussi une cuillère à soupe de sel de cuisine. Pour diluer le tout, il faut mettre de l'eau chaude. Ensuite, on y rajoute 100 ml de savon liquide neutre, qu'il faut bien mélanger aussi. Si vous voulez une odeur, vous mettez 5 gouttes d'huile essentielle. Et pour finir, vous mettez le tout dans votre flacon. Puis, il faut juste y rajouter un petit peu d'eau froide. Donc, fabriquer son liquide vaisselle peut être facile, rapide et écologique. Au secours! Bonjour et bienvenue au Collège Saint-François. Aujourd'hui, comme c'est la Journée internationale de l'eau, nous avons décidé de participer activement à la campagne Effet de jeûne contre effet de serre. Cela va se traduire tout au long de la journée par des actions artistiques des élèves. Les premières proposeront une exposition photo, tandis que les deuxièmes réciteront de la poésie. Nous, les rétos, on a décidé de faire du théâtre. Allons jeter un coup d'œil sur ça. Au secours! Bienvenue à notre exposition photo qui s'intitule « Allô la Terre ». Nous avons appris que la photo est un moyen de communication et j'ai adoré que M. Jeline nous a appris les différentes parties d'un appareil photo, l'obturateur, le diaphragme, etc. Nous avons appris à faire des effets nets et flous, à observer autour de nous et à savoir que la photographie, c'est pas qu'avec un appareil photo, c'est aussi avec nos yeux. Et je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette exposition parce que je vois que je suis capable et je pense que je suis pas la seule. Au secours! Alors voilà, vous êtes avec les deuxièmes. Et pour le spectacle d'aujourd'hui, on a choisi de réciter des textes ou qui viennent de l'extérieur ou écrits par des élèves. Mon poème est de Jean-Claude Valin, La parole d'eau. La moindre pente lui suffit pour partir les mains dans les poches, sans bagages pour la promenade et n'en jamais revenir. Le marin ignore la fluidité et la puissance de l'océan. C'est une phrase que j'ai écrite moi-même. Au secours! À votre avis, de combien de litres d'eau a-t-on besoin pour fabriquer les eaux de la vie courante? Une voiture, 150 millilitres. Une tasse de café, 140 litres. Une tasse de thé, 135 litres. À 2 litres de bière, 75 litres. Une tomate, 13 litres. Un steak de bœuf, 6450 litres. Un kilo de riz, 3400 litres. Un hamburger, 2400 litres. Une tranche de pain, 140 litres. Une tablette de chocolat, 4800 litres. Une orange, 50 litres. Un litre de jus de pomme, 850 litres. Au secours! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.